ce grand rendez-vous, ba tata, ba mama, mbote, bisika nyon sobozali, to la mouka déjà, parce que tongo yangoyo, soso, abeti déjà, kelelo na ye, aleli, kokoriko, et beti, toza na kati ya plateau, ya analyse, ya actualité, émission spéciale to la mouka, avec des invités bien connus, des journalistes, des avocats, batou ya makasi. À ma gauche, toza na Karl Lukusa, c'est un analyste politique, écrivain en plus. Il a écrit beaucoup de livres. Comment ébélé, hein, Karl Lukusa? Bon, ébélé, c'est trop dire. Bonjour d'abord, la Baïbazo, la Ndabiso, la Bandako. Et bon début de semaine, bonne rentrée scolaire pour nos enfants qui ont repris le chemin de l'école. Et donc, par rapport aux publications, j'en ai écrit déjà trois. Aux éditions du Pangolin, du professeur Jungo Simba, basé à Bruxelles. Donc, mais en dehors de ça, on fait aussi un petit peu d'analyse politique de temps en temps. Moi, et, biscuit, okay. Moi, biscuit, Ezali, Karake, Tosefe Limingi, na Bozongi Kelasi, Yaba Arabisso, Paris réussi pour un ministère qui, avec bravoure, est en train de faire. De manière titanesque, Moussa Lamoko. Makambwezang a raté parce que la perfection n'est pas humaine. C'est un travail en continu et Kobongisa, ceux qui va erreur et Zali, il faut toujours faire des remarques dans le sens de Yakobongisa, Yarosala mieux. Donc nous, le biscuit, c'est Bissot en tant que parent. C'est pénible comme on a l'issou sous bleu, blanc, la banzela, la bisso. Et à travers toute la République, Nyons et Salami, vraiment. Là, c'est question maintenant de statistiques, il y a question maintenant d'investigation. Mbongo, oui, tout ça, la société, donc il ne faudrait pas que tout va s'attendre à. La perfection, la perfection viendra lorsque Dieu reviendra. Merci, Karl. Edmond Izouba, directeur général, il y a opinion-info.cd. Voilà. Et d'ailleurs, dans vos publications à l'Elo, j'ai vu un article titré Kinshasa, rentrée scolaire, excepté la dérogation pour quelques écoles. Les frais scolaires de classes non concernées par la gratuité ne doivent pas dépasser 300 000 francs. Bon, je peux lire deux paragraphes. La rentrée scolaire est bel et bien effective. Ce lundi 5 septembre, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, le gouvernement provincial insiste sur le respect des instructions données par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Lui qui a construit aussi 300 et quelques écoles. Mais on va quand même revenir total à Yangonano. Alors, DG, oui. Rentrée scolaire et l'équipe qui tombe. Bon, rentrée scolaire. Pourquoi t'en as nommé moi, Bissou et Salarabi, parce que par rapport au pays article, comme tu es déjà Nakati, il y a moins de l'eau, Kwango, on va taper dans la pour la biscuit, d'abord, on a la caméra dénonciation. C'est-à-dire, il y a un ancien ministre provincial de l'intérieur. Ok, ok. Dolly Makambo, je pense. Vous connaissez prison. L'histoire, oui, oui. Azan la prison. Bakanga qui est dans la circonstance, Batounios Tobaebi, Asaki descente, Vijana. Place Moro Vijana, et puis administrateur Moro Koufaki. Très bien. Administrateur et hôpital à Koufaki. Oui, oui, très bien. Et monsieur, le ministre a été condamné pour 10 ans de prison. Mais c'est fait que, dans le niveau, il y a appel, décision a été cassée. Okay. Il fallait en principe à recouvrer liberté naïe. Mais ça dit que depuis le 26 juillet, décision en Ezaki signée pour que cour de cassation ait siégé, passe à la délibération pour que va confirmer sortie naïe, ti lelo de Kwazaka na Boloko. Pourtant, le document a déjà censé Yakobima. Donc, moi, lenteur administrative, on a côté à cour de cassation. Donc, ils ont ça, là, moi, pas si. Alors, les avocats, il y a Dolly Makambo, voire même sa famille biologique, ont saisi notre rédaction. D'ailleurs, aujourd'hui, on va publier un papier autour de ça pour non seulement brandir la décision, l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais aussi
expliquer ces manœuvres-là qui n'arrangent pas l'état des droits. Donc, il faut Moutoubakanga qui, avec beaucoup de célérité, nous avons assisté à des audiences, comment on appelle ça, pas foraines comme telles. Bon, il y avait des audiences foraines, mais niveau et à Makala, non. Oui, ça dit à Sambaki avec beaucoup de célérité. On appelle ça comment? Procédure d'urgence, en fait. Voilà. Il a été jugé en procédure d'urgence. Donc, sa libération devait suivre également la cour normale en procédure d'urgence. Mais ça, là, que, on ne sait pas, ça va prendre combien de temps pour que, finalement, soit décision, soit acte. Pour cours de cassation, il aura acte. Et puis, Ndekodoli Makambo abîmé. Donc, c'est justement ce cas de dénonciation. Pour la rentrée, donc je préfère quand le sujet va commencer, Tokota sans problème. D'accord, pas de problème. Voilà, Maître Claude Ngoma, cadre y a nouvel élan, y a Mouzitu, plébiscité, hein? Oui, d'ailleurs plébiscité, troisième personnalité dans le sondage à Bercy, JEC. Les hommes de Samassem, Bonanzela, la tribune, ma proposition. Donc, voilà. Est-ce que Mouzitu est toujours dans l'opposition ou il est du côté du pouvoir? Moi, biscuit. Nous sommes du côté, il y a résistance. Résistance, avec la Mouka toujours. Résistance. Toujours avec la Mouka, on est toujours la Mouka. En fait, ce n'est pas Mouzitu, ce n'est pas non plus Martin. Mais non, comprenez, on a ma famille, on a ma sensibilité. Donc, il y a ma sensibilité à Mike autour. Il y a les Kambouez au Kabolabiso et il y a bloc patriotique. Mais nous en avons déjà beaucoup travaillé et tout avancé. Nous a supporté très bien les beautés. Et d'ailleurs, mais celui politique où t'es qu'on s'est réuni, la semaine passée. Donc, polémique, ils ont assusté. Mais quand même, félicitations parce que Nouvel Élan, c'est le parti comparativement avec AFDC, Bazako, s'implanter un peu partout dans la République. Hein. Oui, parce que Bissoto Salaki, Otobenga canalise, il y a pas parti Nyon, Soto Zanamona Congo. Na, et si DP, bon, qu'il y a un planté, on peut planter ou bien. Parce que Bissoto Salaki. Vous avez famille, mon route. Et ça, on est en taf, DC, on a eu des pays. Bissot, pas la même discipline. Pour nous, on a mis balé. Oui, toi, mis balé, bon, comprenez. Bissoto Sali, banalise Nabiso. Non. Nouvel Élan, les alliés premiers partis politiques au hasard est présenté partout. Et à des bureaux partout. Tozan va partir. Ah, je vais vous dire, même l'IDPS. Azagan a siégé à Kinshasa. L'IDPS partout ailleurs. Azan a siégé. Ok. Moni, donc parti fois en a bâtiment partout, parti politique fois en a entreprise naïe, parti politique fois en a action naïe. Aux hommes, on a vision à Bissot et Angouana. Donc, l'air tout sali, banalise à Bissot, tu comprends que, na Congo, certes, ils ont parti à Minene, mais basan a bâtiment, mais basan a action. Ils ne vivent que individu. Or, pas à Bissot, le bité Mouzitu passera, vu le poids de l'âge à Olemba. Tout temps sera toujours appelé à goûter à la mort. Et que ce qui a accueilli Bissot Rotik à l'entreprise ou à la politique qui te salue. Bah, Mouzitu est député, hein? Député national. Hein? Oui, il est député national. Ah, lui aussi, invalidé, il a perçu les. Invalidé. Pendant 8 mois, il a perçu les 21 000. Oui, mais Palissade n'a pas Zoka, non? T'es Palissade Tozoate. Mais Bossenga Rango. T'es Tosenga Pété. Et d'ailleurs, il sera Palissade dans son Tofumoulé en haut de dégâts. Voilà. Bah, Bimise, ma fiche de paye, il n'a qu'à Tikoun, au moins, qui mentionne mon côté, il est retenu pour ma frère Palissade. Ok. Voilà, merci. On appelle biscuit. Hein. Zaki, il mais là, biscuit, on va monter caca. Il y a seconde. Hey, vraiment, on a interpellé le gouvernement en place. Nazo Senga Bongo, chaque fois, va travailler de manière à doter la police. N'a pas moins au Isengeli. Très bien. Police à Ali n'a pas moins été. Police à retravailler n'a pas moins de bord. Véhicule et alité. Teni et alité. Bazan même na Nyongo. Il y a carburant. Police ça rana na na mon cher ami en tout cas bazana ba station na bango même na kati ya ba mais il faut vérifier na quand le fungo les alizes a rassuri deux trois stations oui mais il faut vérifier na camp mobile en tout cas côté on a ils sont équipés mettre tout ça vérifier pas penser sans moté mais ça on vérifiera tout que na c'est bon quand le fungo là c'est comme notre maison to beta ba le wana to koli wana pembe ni wana camp mobile la même chose donc Toyebi, yebi, yebi, un peu. Voilà, en tout cas, Tilelo,
en ce qui concerne et l'armée et la police côté Cameroun. Mais ce qui est bon, c'est bon. Maintenant, on va dénoncer parce que tu as la couleur dans les mains. La délinquance juvénile est à s'en servir à tel point que tu as la couleur dans les mains. Tu as la couleur dans les mains. Donc, le gouvernement a travaillé. On dénonce pour les moyens. Police a mieux équipé. Voilà. Parce cadre mobile, les a le soutenu l'inga na sima. Voilà. On va prendre le premier sujet. Edmond Izouba, c'est la rentrée Lelo. Le premier ministre Azana Kisangani, il a profité dans ses jours na Kisangani pour lancer les travaux à COP 27. Mais dans l'entretemps, Lelo na Tongo a Kendaki ko ça l'a quand même pé ko inauguré rentrée scolaire na Kisangani et puis c'est quand même Tomoko ya likolo ministre Azana Grand Kassa Azana Nganajika. Non non, le voyage était annulé. Azana on a quitté ça. Oui oui, a lancé na Sainte-Anne. Ah, aké na Sainte-Anne, oui, pas ma catholique. Oui. Na Gombe awa. Voilà. Donc rentrée. Mais on a suivi quand même, il y a une semaine avant la rentrée, déclaration, il y a Sinecat, le syndicat des enseignants des écoles catholiques, Jean Bosco Pouna, qui a boycotté rentrée Oyo. Pona Bango, bas enseignants, baza na ba respecté, mes ministres, ba respecté, ba nini, le, ba accord yamboué la logité. Bah respecter bah ma cambo et raison pour laquelle les enseignants bah occupés bangote rentrer et vous voyez que ça les ma les loter bon il devait d'être parmi les invités mais dans l'article publié quand même na opinion-info.cd on parle déjà d'une rentrée effective Ndeko Edmond Izouba la rentrée heureusement n'est pas Ndeko rentrée est effective na Kinshasa. Et puis, dans ma province, Ebélé, et c'est vérifiable. Ok. Alors, il y a un homme qui a une déclaration à Ndekopuna. Mon Ndekopuna, tu es depuis Kala, à comment figure de proue dans la lutte syndicale pour établir le domaine à l'enseignant. L'Assemblée générale. Oui, il y a une assemblée générale. Y a... Mais si tu es un homme, est-ce que. Il y a une carte Sénécat ou une élection à la rate, à la raille. Question du Bosso. Secrétaire général. Oui, et à raille. Secrétaire général, car aille. À ma tarate, à qui t'a raté. Deuxième question, c'est que. Pourquoi il y a à participer à l'issoussouté na ba, ba six netto, ba ben si, ba syndicaliste. Na domaine d'enseignement. Et ça, c'est moi qui ai le de Kopuna. Tout le monde a eu une déclaration. Mais ma manifestation, même sous le bureau, il y a un ministre, il y a un batounaye, il y a un enseignant. Si vous avez un secret, c'est que Ndekouana va vendre ça à la bande de touche. Pour que l'on l'ait déjà. Ah bon? Oui, de Kopuna, un, il y a une école morte à Tangisaka. De deux, il y a une sous-souté. Et ne peut pas co-représenter Sinecat. Même pas Basango Baebiango. À l'époque, il y avait même une guerre entre Yé Nandeko André Malassi. Ok. Or, Église catholique, et Bandai co reconnaître Ndeko André Malassi. Mais tellement il y a un ancrage, on a bien une figure de proue. Mais il y a des leaders. Abanda obet va bon na libanda. Il y a des leaders. Abanda obet va plan na libanda et puis va enseigner mususu bazolanda. Maintenant cette fois-ci l'église est déterminée. Parce que assemblée générale la bango aussi là. Pas plus tard que mercredi. Sinekat bakendayi bango nyonso comité asika. Bakayi komi bimisa liboso ya ministre. Balobi désormais votre répondant. Dans le niveau Sénécat et Zabissot. Si vous pouvez être comme moi, parce que le Bill Marambo est la loge, vous allez quitter la loge. Mais quand vous avez signé, vous allez quitter. 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 Bon, je suis un papa, après, il y a un jonga. Alors, il y a un modèle, il y a un kende. Et vous aussi, la loge, il y a un modèle, il y a un modèle. Mboué la loge, ezali
andendon za roi accord inachevé ya bibwa omoni place bandaki OK nde ba bandaka na ndeko wili bakonga na bibwa Tony ayeko kuta bango na bibwa balongwe na bibwa bake na mbwe la lodge basali mbwe la lodge 1 le loto obeta masolo mbwe la lodge 2 ba enseignant bango mo ba évaluer ba revendication na bango ba enseignant bango mo ba lobby oui le gouvernement cette fois-ci est de bonne foi to pesa e chance wana ndo moni gratuité ndo moni rentrer le lot et sibi OK ce qu'on a la reposer aux questions bien que na reposer pour répondre te ce que batu oyo ya assemblée générale ya ndeko puna basuki wapi parce que hier va bien quand monsieur boycott hier est à la bien à mabé rentrer zaté boycott vous vous comprendre so, ba enseignant ou bazala ranaye baza fictif ou bien baza pena ba enseignant à solo non il y a ce qu'on appelle les show médiatique ah bon oui oui parce que au moni domaine il y a enseignement et comment le roi moi domaine mon rabat affairiste OK enseignant au beta cop naye promoteur au beta cop naye non c'est l'homme le plus malheureux Edmond Lelo Yotoloba l'enseignant c'est l'homme le mal payé de la RDC je ne veux pas me moquer de la galère des enseignants parce que si on parle d'enseignants aujourd'hui toyebi musala nini enseignants zanango na formation ya kibomoto Okay. Oh, les lots très bien. Je ne peux pas à ces jours chosifier Moussala Yaba enseignant. Mais ce qui est sûr, bah enseignant y'a bonne foi pe bazali. Au moni galère à enseignant et bandit les lotés. Zapeka na kongote. Depuis mon bout. Ce n'est pas aussi grave. Changez nan micro. Est-ce que le micro est mieux que ça? Parce que nazo kaba bazo benganga na nini kuna baba micro est mieux que ça. Donc ma ramnyo so lobia on dirait il faut bander la yango. Oh. La kinga. J'espère que bandeko ba yo ki quand même moi mki. Li kambo ya nini ya rentré boycott. Oui, Jean Bosco dit... Pouna Olobi. Non, Jean Bosco a sous le répondant, le nouveau répondant bah, a ministre, été présenté voilà. Par ministre et puis Balobi désormais bison de tombant donc engagé Sénécat. Okay. Et ça reste comme ça ainsi. Donc ce que Jean Bosco bah déclaration nae minga salaka. C'est parce que 1 a sous informé 2 a participé à l'issue na ba négociation té na gouvernement. Ce qui l'élo et il n'enseigne plus voilà. Il y a un obété le solo yozo seka que et comme cop ah bon domaine enseignement et comme cop moi na mutu mususu ana lopango nae o ekokata 4 palettes mais o ekokata 4 chambres te nzalara o ga lobby complexe scolaire so nini bala pe ba kumbo ya otika bala na tongo ah voilà donc c'est pour vous dire que il y en a d'autres au baie bi réalité ya domaine na bango très bien ba militarati le lo pour la améliorer il y en a d'autres à mona que et simba lisu suté ba mo militer pour na échec nango yango na lobby il faut toujours séparer les bons des livrés donc il y a très des bien. Bons enseignants les enseignants de bonne foi OK. Il y en a aussi qui sont de mauvaise foi. Ba enseignant bazalana Jean Bosco wana. Bazaba fictif to bazaya solo. Non, ba to ba show. Te wono répondre ngate. Non, ça dit de ko izuba. Non, mais vous ne pouvez pas. Bazaya solo to bazaba fictif. Na lobby, on ba moni moni ba enseignant wana bazalana e. Il faut pas passer biso na ba école place ba tangi sara. OK. Biso peto ke vérifier si réellement bazo tangi sa solo. Ah bon. Oui, parce que na domaine enseignement, tozan enseignement enseignant assis, enseignant debout. Ce que il faut expliquer biso za debout ou za assis. Et puis après to bandi ce que vérification. Okay. Mais tout ce que je sais c'est que na ba accord, na ba signature ba accord wana toutes les branches sont
représentés. Il y a des enseignants de l'intérieur qui sont représentés. Il y a les comités des parents qui sont représentés. Il y a les associations des parents d'élèves. Il y a donc, aujourd'hui, justement, aujourd'hui, en parlant de l'EPST, il y a plus ou moins 30 syndicats recensés, connus. C'est-à-dire, il n'y a pas un syndicat qui peut aujourd'hui s'élever pour dire non, nous avons l'autonomie de gestion à bas syndicat. Voilà, non. C'est-à-dire, et comment séparer, comment démocratiser, et puis chaque syndicat a son autonomie. Voilà. Mais Maître Ngoma, Claude, je ne pense pas que vous partagez le même point de vue. Na effectivité à rentrée scolaire wana et puis namba réclamation yaba enseignant nandingo oyokelia non namoni ndeko nanga izuba souffrir pas pe ça ba il est vraiment convaincre pas tout namoni vraiment nyokwani parce que c'est vrai rentrée zanango effective salami mais maintenant il tozo lobila awa gratuité d'enseignement rentrée oui mais à côté de cette rentrée faut que ta la personnel azana conditionné gouvernement ce qu'on a pour remplir l'engagement a été il y a Mbouila Lodge, il y a Bibois, accord il y a Bibois, où ils ont trois paliers Bayoukanaki, trois paliers Bapesi palier mon deuxième palier Tissikoyo nanu Bayoukani non Bapesi en côté donc gouvernement nazo kamo mon solo nyo se ba ko boucher du somatoi le long et la journée recette à gauche réserve à droite. Mais finalement, Bazokoka, gouvernement Zokoka, Koti Yama, Oki et Sengelite Ponaba personnel. Et ça la passe. Au moins. Et l'eau quoi mi balé à l'île. Rentrer salam. Dans des salles de classe débordées. Sur nombre. Or, na standard, il y a UNICEF, et ça que la classe Mokofobos en a 33 élèves, à la rigueur. Même puis ce montant, tout ça, il va petit, au moins effectif garçon. Mais c'est le double, hein, je vis ça aujourd'hui. 65 élèves, 70. À notre époque, c'était déjà au-delà. 40. Moi, je c'était 40, au moins 44 limites. C'était ça. Donc, on ne pouvait pas. Ouais, on ne pouvait même pas aller au-delà. Ouais. Vous voyez, mais conséquence dans les Zanini, bah, tu sais, gratuité sur toute l'étendue de la République, mais bah, tongi l'infrastructure. Voyez-vous? Non, mais ministre, il a donné quand même 300 écoles. Non, ministre, à Outio Loba, na point de presse, naé, à Loba qui a tongi 23 000 écoles, n'a pas fini. Mais non, c'est notre tout ça, la calcul simple. Non, 300 et quelques. 300 et quelques. Oui, ce n'était pas 23 000, non. 300 et quelques. 300 et quelques. 323. Ceux qui a lobby, plus, sont 300 et quelques. Plus, Matata Tonga qui, ça fait 1300 et quelques. Non, Matata Tigalogo Tongate, parce qu'avec Matata, bah, influence politique et comme l'école oui, moi je connais des sénateurs qui ont gagné le marché mais ils n'ont pas livré des ouvrages. Je connais des évêques qui mais ont gagné le marché. Interpellé puis ma tata je vais vous hein. Dire wana za dossier za mbulu na kati kuna so koti wana dossier mbulu. Ya matata yote anga na mbulu tozonga c'est à dire ya matata bon, problème te tozonga kasi na 300 tozonga na 300 na briefing na ye abimi se libiso tableau te tomona a éclaté biso ba école construite que 300 écoles, situation géographique, donc cartographie nango, bref, à Pessagui Bissoté. Voyez-vous? Ça c'est vrai, hein, Tilelo. Tilelo. Nazala Kiwana Nango. Peut-être Karl ou bien Edmond Bago Pessagui Bissoté. Bago Pessagui Bissoté élément. Nazala Kiwana. Mais est-ce qu'on a la CPLA quand on a Tony Mouabezani? Tony Mouabalera yé, tout ça qui n'a plusieurs bureaux gestionnaires. Prolifération à bureaux gestionnaires, mais moi Nambo Kassali a sali tout à réduire Nango de manière sensible. Parce que mon Solomine est Zaro Kimako. Comment il coupe tellement dans la 4 tu vois, les aïmo boulou. Mais c'est copé, mon boulou pesant. Mon boulou est à pourquoi parce que. Ouais, bah nommé, et dis-moi où tu vas soulever moi. C'est comme surnom. Justement, et dis-moi où tu vas soulever moi. Les enseignants assis et les enseignants debout. Osomon, si on a la zarose et la tenue moi, à 4 enseignants assis. À Tinda Bango, la formation mise à niveau pour déverser Bango Bakoma enseignant. Mais il faut vous expliquer, moi, parenthèse, Bandeko Bazolanda. Tant que l'on enseignant assis, non enseignant debout, bah, on va comprendre. Il faut que moi, qu'on dit que l'on est en train de se pour na, et permettre de bah, comprendre. Ah, pour okay. Bah, enseignant, il y a des copains, effectivement, on va enseignant debout. Hein. Non, on doit vérifier. Ils sont assis ou debout. Tu ne les as pas encore qualifiés. Non. Parce que.
parce que enseignant a signé monde l'état donc administratif administration mais ce qu'il fallait qu'attendant beaucoup là pour aller en abango ba renforcer effectif il y a enseignant au bas tangisa c'est-à-dire la gratuité enseignement sur toute l'étendue de la République nous devons avoir 1 million d'enseignants. Très bien. Mais les autres ont un déficit, il y a 320 000 enseignants parce que au Bazali, il y a 680 et quelques enseignants. Au moment où les qui est engagé, à Kati qu'on a appuyé, bangon à Kati, aye na bangon mise à jour, à celle bangon mise à niveau, et puis babandi kotangis. Mais c'était prévu, non? Le ministre avait parlé de ça. Oui, après ça, il y a une intention, mais matérialisation, là, moi, non, mais ça l'est. Aujourd'hui, ça fait toque des 2 ans. Voilà. Et ce côté ici sous parmi ma cheval de bataille naïa. Voilà. Heureusement les lona zana et dimo peut-être aux anab éléments sous là dans des cours. OK. Allez-y. Alors, ce qu'il y a un niveau ya bana, lelo bana banda maternelle 6e bazali total na bango ezali ko flotter entre 25 et 30 millions. OK. D'enfants. Et gratuité veut dire que chaque année bana ba ko bandozon a classe les enfants à l'âge de la scolarité il faut pas gagner l'école ba ko za le nombre il y a 3 millions ozomona et que ceux qui te beti mandat il y a régime 5 ans ba ko tiki la biso 15 millions d'enfants de surplus à l'école parce que chaque année il faut 3 millions mais ce totali total au dégagé côté ba salle de classe ba tongité oui déficit hein déficit ezali makasi et eloko musu seza ya motuya l'état esengela ki naye a pesa à soutenir gratuité na auto bengaka bah comment subvention non même pas subvention le fourniture ah, parce que journal de classe professeur ezali zomon cahier de communication ezali registre d'appel ezali bulletin ezali naba livre mais ezo landa gratuité te du coup moyen qualité ezali zati to komina quantité au nom ya kali ya 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 gratuité. L'évaluation go ça les mandé nini est-ce que non, c'est-à-dire que les lots baisse ezali sensible et baisse on a ni les occasionner chito en éducation ezali débordement ya ba salle de classe. Ozomona professeur moyen les kanaba aller à contrôler moi na ndenga zo commander biso balaki. Les lots ezabongoté. Et pour na cité toujours na gratuité wana oyé côté à la même infrastructure ndeko nanga na Kinshasa awa et ya nebe kol oyo bana ba kotanga à même les sols bazo vanda na mabele ba bon réalité ozomona donc baza donc mais pourquoi gouvernement zo non nga si ça pour ba contre vérité zé belé pourquoi gouvernement zo koka kotia ba moyenté donc na suki wana et dimo loko la zali mais effective. Mais même le sol. Débordement. Donc il y a un problème, il y a quantité, qualité longue. Chaque année, on a au moins 3 millions il y a bana au bazo maximum. Tout ça la gaga c'est tout que ni na statistique normale c'est au moins 5 millions mais na ko rekozoa et ça au moins 4 millions. Tout ça 4 millions. Donc ça fait pratiquement 4 millions en 2 ans, ça c'est la 3e année. Donc ça veut dire que 15 millions. Bon, ça c'est d'abord à féliciter du côté du gouvernement du fait que bana on a ba zone classe. Mais maintenant, il faut miser sur la qualité. Qualité zate ni wana ma fourniture exacte, donc c'est un sérieux problème. Débordement. Oui, alors le bagage là, moko moni lorsque boyé na terrain moko ozaki na ngolo ba délabré, dévasté pendant très longtemps. Vous ne devez pas imposer na batou ba koksani sur la moko moko franchement. Moi, j'y vois souvent de la mauvaise foi, pure et simple. Parce que lorsque déjà vous reconnaissez ici, et mon frère le reconnaît aussi, que Banabazongi, Nanzela à l'école, Nanzela à Kelasi, plus de 22 millions d'enfants à travers la République, Oyoba rejoindre le système éducatif. Attendez. 25 millions. Oui, okay. Dans la Bible, il y a plus de 22 millions d'enfants. Oyoba rejoindre le système éducatif. Ça, c'est déjà à applaudir, mais on n'en parle pas. Bana Oyo Bazali à venir et en Bokanabiso pour un lobby. Tu réinsérer Bango.
Donc, à travers un travail. On peut entendre parler, donc, chaîne Yabakuluna et son katan. Absolument, on peut aussi dire ça comme ça. Absolument. Absolument. On peut, c'est-à-dire qu'on scinde, on isole maintenant, bah, isoler, bah, scinder, bah, scinder les deux aspects où on a Oyo outil qu'on relevait. C'est déjà à applaudir. Très bien. Le creux ou bien fossé, c'est qui très profond, trop profond que. Les lots, lorsque Bobandiko remontait Zéloti, Bouer, Okunda, Libouluana, et ça a déjà avancé. J'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à Baban, puisque tu as fait mention de cela. Les enfants étudient à même le sol. Mais il y a eu ici une campagne avec le ministre initié sur ordre du président de la République, qu'on a appelé « Pas une école sans banc ». Et le ministre s'est rendu, M. Tony Mouaba s'est rendu, dans ma province, au moins 9 provinces, pour implémenter campagne wana ou bien mot d'ordre wana naba école et de manière symbolique à remettre à Kibaban. Et ça effectif effectivité toka campagne. Non, attendez, je continue. Mais je continue, je n'ai pas la file d'idées dans la tête, na information dans la tête, c'est même pas une file d'idées, mais c'est une information que j'apporte à l'opinion. Allez-y. Accueilli dans ma province de manière symbolique, il a remis ici 1000 bancs. Ici à Kinshasa, on a vu dans Kimwenza, il a remis 1000 bancs ici, 1500 à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kassai et consorts. Absolument. Et un ordre a été intimé, ordre de Pesamaki, notamment là-bas responsable. Milieu éducatif, voilà. Pour que province éducationnelle. Province éducationnelle, voilà ce que je cherchais. Pour que s'enquérir, s'accaparer, na moussalawana, il y a qu'à fournir l'école en banc, notamment à travers frais de fonctionnement en banc qui ont été revus à la hausse. Ça, ce n'est pas à applaudir. Si les enfants aujourd'hui étudient encore à même le sol, ici en 2023, c'est ça. Les frais de fonctionnement bazwaka, ils n'ont jamais pu ko somba babilo ko oyo ezayi ko kende à l'endroit ya oba nenge ba rubrique ezaka détaillé. Même des fournitures scolaires c'était prévu, ezaka prévu na ba frais de fonctionnement. Même baban. Je ne te contredis pas, cher Roland. Mais eloko nga nenga ressortir awa pour que bazolanda biso ba comprendre zalinini. Lorsque déjà cet ordre-là, je reviens d'abord sur les bancs, on a su ça, Idewana, a pési ordre aux Omona pour que Wana initialement ait lancé Tomroub pour que Bango Mokoba se prendre en charge par rapport à Baban. C'est-à-dire, chaque mois, si une école, à travers ma frais de fonctionnement, naïe, a conquis qu'on faire construire, par exemple, 10 bancs, au Omona que. En ayant une année, par exemple, sensiblement, on verra que Kol Mingi, on va la réapprovisionner, Nababan. Parce que si on doit, de manière estimative, que Banabazo tant a-t-il l'élo, à même le sol, mais il faut aussi se poser la question honnête de se dire combien par rapport à hier, Baza encore à même le sol. Combien Baza encore à même le sol, l'élo, par rapport à hier ou à avant-hier. Lorsqu'on vient sur un plateau de télévision et on n'a pas de précision par rapport à ma chiffre parce que c'est évolutif, au coquille goya qu'on peut savoir estimation, mon auto ma chiffre, mon go, et puis finalement ça va s'avérer erroné. Si on entre dans la vérification à ma chiffre, voilà, au moins là, qu'il y a une virgule qui manque à ce qu'il dit. Non, attendez. Au moins là, il y a une virgule qui manque à ce chiffre-là. Vous allez me dire que c'est précis. Chiffre, ça va en hauteur, mon frère. Moi, quand je viens avec des chiffres, je viens avec des chiffres qui ont été vérifiés et revérifiés à la source par rapport à une estimation basée sur une enquête et une enquête proprement élaborée. On regarde la télévision et on peut savoir chiffre. T'es bon, ma virgule, on a eu, on a eu, on a eu. Alors. Si tu vas vérifier l'enquête, il y a 300 et quelques écoles, situation géographique, c'est ça côté Nino. Papa, n'aïna l'on va voir par rapport à l'école. Parce que ça devient une question. Ça devient une question ironique. Ça devient une question ironique. Ah, médias. Lorsque le ministre a parlé des écoles qui ont été construites, notamment à travers la République,
et dans les écoles Moussoussou, qui ont été construits dans les fonds propres du gouvernement, les écoles Moussoussou, ils ont été construits dans les organismes Moussoussou, où ils allaient appuyer le secteur éducatif. Et dans les écoles. Maintenant, il faut rentrer à la source, parce que je viens de parler de source, pour prendre de manière claire ou bien de manière précise. Géolocalisation avec Colnios aussi, il faut donner des adresses, les noms d'école et consorts. Puisque, non, attendez, taisez là, Nalobi, le travail de fond est en train d'être fait justement dans le bureau d'études et enseignants parce que, Nalobi, le travail de fond est en train d'être fait et au bon moment, on accueille incessamment le ministre publiera certainement école ou parce que la question est posée au niveau de l'opinion et repère sa précision voilà. Lorsque le ministre est venu notamment dans un point de presse dans un débriefing à Sagina RTNC il y a deux semaines si je ne m'abuse a rien qui n'a tableau pour n'a démontrer n'a bateau mais par rapport à l'augmentation à l'école. Il a démontré noir sur blanc. On est tout et, d'accord et, avec et, ça. Non, et c'est le fruit d'un travail minutieux qui a été fait dans l'organe technique EPST. Alors, comme la question de la géolocalisation, notamment avec Cole et consorts, et il y a ça, accepter aussi qu'il y ait un suivi, un travail minutieux, il y a pour que lorsqu'on apporte ces éléments-là dans les médias, Batouaz a là suffisamment fixé, non pas sur base, il y a utopie, mais sur base, il y a réalité. On voit Binonan de Koizouba, vous avez tendance à côté à. Quand même, Bolingi, effectivité à rentrer, mais Yoloi, ma contre-vérité à. Il y a Claude Ngoma, il y a Nouvelle et là. Mais attention, Baza quand même plébiscité, troisième personnalité, Lelo Mouzitu. Donc, c'est Mouzitu. C'est avéré. C'est Mouzitu. C'est avéré. On n'a pas dit Ndeko Ngoma, Ndeba Président. C'est Mouzitu comme leader politique. Donc vous croyez quand même à ce positionnement-là, il y a Mouzitu quand même, tant que leader politique troisième. Mais pourquoi ministre Yemoko? Tant que tout n'est ma question. À Pessi, géolocalisation. Sur les commis débat, les lots. Non, problème est aboué. C'est très simple, en fait. C'est question seulement d'être quelqu'un au aligné intérieur, mingi, pour monaké, école les a autongama. Ça veut dire, n'a qui n'a débarra. Sur le Kessiko, dans l'intérieur, au coup, n'a pas réalité. Comme de Kolobi tout à l'heure. Monsieur le ministre lui-même a parcouru 58 provinces éducationnelles en RDC. Asali ba itinérance nae partout. Très bien. Alors, et loco est quand même marqué itinérance après, il y a un ministre, et Zalaki, pour n'a qu'au jauger degré à gratuité, comment ça s'applique? Ben, instruction aux autres Malikolo, est-ce qu'ils ont comaraté ou n'en a assez? La première réaction, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des provèdes et des sous-provèdes qui ne font plus leur travail. Donc, aux hommes, on a que le mal, c'est en interne. Misusubaya qui n'a Kinshasa, pour n'a que ça, la revue annuelle des performances. Et où tu aussi, il n'y a pas longtemps. Bango Moko, Basali, autopsie, il y a Makambu, il y a Baxion, au ministre. Parce que, avant qu'on commande, on a le rôle là, état des lieux. Vous comprenez, il y a un nez au éléki. Si vous avez un rôle là, avant état des lieux, on est salama. Moutoumoura ta wout en intérieur, il a vécu ça. Et dans le discours, a beteli bango ma solo. Non. D'ailleurs, dès que vous rentrez, vous ne retournerez plus dans vos fonctions. Et pardon, dans vos sièges. Et Bélé vous a permis déjà de partir. Ah, vous avez un rôle la province au Batindio. Pourquoi? Parce que. Il y a une absence de l'autorité. Yozana, osa chef, il y a école, il y a secteur moko éducationnel. Osomona école moko ils ont appliqué gratuité. Okangi na on mato bien au Betikop. Donc pour la plupart, ben misuba le roi complice y a situation. Voilà. Donc le roi complice y a situation ana. Alors à tapaki point sur la table. Makambouana, il ne faut pas ézonga. Oh non, école boe va refuser gratuité, école boe, non. Deuxième chose, je voulais quand même rectifier, je crois que c'est une erreur
y a peut-être un chiffre, il y a pour moi qui a un débat moi l'icolo. Dekokar a parlé de plus de 20 millions. Non, je crois. Les oui, enfants. C'est, ouais, c'est ouais. 3 millions. Aujourd'hui, il nage entre 3 millions. Il y a Bano Babakissami. Alors, là. Non. Depuis début à gratuité. Non, depuis début. Depuis début. Non, ce n'est pas 3 millions chaque année. La première année à gratuité, nous avons enregistré plus de 2 millions. Et puis, dans les autres années, je crois, les chiffres varient. Entre 500 000 ou 1 million. Donc, on est dans les 3 millions et quelques. Donc, c'est ça, c'est évolutif. Qui ont repris. Mais non, il ne faut pas confondre. C'est là où j'ai parlé des contre-vérités des Congo, Makosi, peuple. Ah, des Congo, Makosi. Makosi. Gratuité, Batou, Bazo, confondre. La gratuité, c'est quoi? Il y a comme ici gratuité, même dans Marabouba, Nini, non. La gratuité, c'est la suppression de tous les frais. C'est ça la gratuité. De tous les frais. La prise en charge des parents vis-à-vis des enseignants. C'est ça la gratuité. Et ça se limite là, point barre. Okay. Les restes, ce n'est plus la gratuité. Les restes, ce sont des effets d'entraînement. Et l'eau qu'on a ni gratuité et mémi. Surpeuplement, il y a ma salle de classe, ou un an de gratuité, mais ce n'est pas ça la gratuité. On est à la cause, conséquence, voilà, il y a gratuité. Et puis conséquence, il faut, aux autres, au lobby, on a français, oui. Il faut pas que ça conséquence négative. Yango siko, non, négatif. Dans au moins, une conséquence soit. Non, de Roland. La norme. Keba. Keba, ozo kende, si ka bato wa mauvaise foi. Ozo kende mabe. Okoki koloba, conséquence négative, te pourquoi? Soki moana, wabandaye kotanga te. Akomi kotanga. Conséquence négative, eza te. Conséquence wana koutu, foto lobe, eza positive. Il y a surnom. Oui, surpeuplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bano Rwanda autant gâté, Bakoti Kilasi. Maintenant, l'État, qui est le responsable de cette situation, il faut Azwa Makambounaye Namaboko. Dans l'entretemps maintenant. Au région de Bissau. Non, moi je dis ceci. L'État est responsable face à cette situation, mais ce n'est pas les conséquences négatives. C'est que l'État wana va créer ce qu'on appelle le fonds de promotion de l'éducation. Moussa la ya fond, on a dit qu'on a coupé sa baban à l'école, on a dit qu'on a ministre à Poussa qui quand même fond wana, il a bousculé. Bambon, on a dit qu'on banque mondiale, la tinda qui a dit non, bah là, on a dit qu'on a dit qu'on a dit 1000 écoles par secteur éducationnel. 1000 bancs par province éducationnelle. C'est pour permettre que la salle de classe moussoussou, au ban à Baotang à la C, bas ou à Baban, la salle de classe moussoussou, au ban à Bakomi Mouamingi, Baba qui sa Baban. Mais Moussala ou Anayako Baksara Baban, et sous Kakarate, la descente à ministre, il faut à la perpétuelle. Nde ba chargé ba provède ba lobi bino ba inspecteur provinciaux principaux bino nde boza chargé à partir à lelo ya kodotaka ba salle de classe ba banc et tout ça. Maintenant yo kotisi débat moro lobi o ba école au ministre tangaki et tout ça. Plus de 300 écoles. Et ça côté d'une pardon. Non. Au monisiko yo. Non. Plus de 200 écoles, je crois 150 quelques, tout ça, ou 200. Et ton ami n'a pas partenaire financier. Plus de 200. Dont notamment l'UNESCO.
Baron Batongi, ba pesi rapport, ba tindeli ministre. Oso comprendre, eza l'état te moutatongi. Eza bangomoro moutatongi. Ce qui l'élo. Oui, c'est des partenaires financiers. Deuxième. Oui, il a précisé. Il a précisé. Il y a une partie, un bon nombre d'écoles d'ailleurs, eza ba partenaires financiers. Il y a éducation. Oba komi l'élo sous le belé, Batongi. Et puis. Non, je crois plus de. Je crois 200 et quelques. 200 et quelques. Et l'État intervient avec 120 et quelques et tout ça. Voilà. Ce qui est et quelques, 200 et quelques cents, c'est que tu en as 400. Dans l'objet, hein, Ndeko Roland Isso. Ndeko Roland Isso, peut-être on comprend, on se comprend. Tu as 58 provinces éducationnelles. Ok? Naba 58 provinces éducationnelles, Wana, est-ce que Yo Okitina c'est Otangi? Pour eux, bah, oh, ministre, le baquet, ça m'a bien. Lobby, Totia Maïna Vino. Moi, il y a 58. Nakatanga, par exemple, oh, Katanga, il y a eu des écoles. Moi, je ne sais pas compter le nombre, mais je te dis qu'il y aura. Oui, ça dit chaque province. Tout à fait. Oui. Ma partenaire, ma tongi, plus de 200 et quelques. Oui, justement. Ma quinoa, ma congolais. Té, yango, au moins, on va quinoa. Gaïpe Roland, on a besoin de yéba. Au moins, ma quinoa. Situation, il y a ma école ouana, eza ma place ligne. Au moins, ma quinoa. Pourquoi bozo pesa té, eza ma place ligne? Ti, le lot, tozo bunda, depuis ton mandat d'émission. Ndeko. Bozo le baraga, province éducationnelle. Ndeko Roland. 58. Bosu ngape ba eba bulanda Obandi ke OK okatanga Obandi ke Non non OK tozana okatanga na likasi précisément côté Omoni na Kinshasa owena Kinshasa ataba bimiseli bango Géo lokati Non moi j'étais dit Omoni lelo pona on sait que ça peine de Congo ma Ndeko Mouzito a été plébiscité. Troisième. On continue sur ma Mouzito. Non, pas cet exemple à qui il y a ma quinoa en fait. Okay. Pour te dire que, na Kinshasa, il aurait gagné à Mingi place. C'est le débat. Et le débat là, deux fois, c'est sans fondement. Parce que. Mais oh, ils ont un fondement. Non, parce que je t'ai dit. Non, je t'ai dit. Ndeko Roland. Question na yo, Yakoluko Yeba. Esa importante. Sikoyo, voilà. Il faut causer là. Il faut causer là. Il faut causer là. Sikoyo. Il y a moins d'opérés à Sikoyo. Nalobi. Il y a ma situation. Jamais. Voilà. Jamais. Moi, je ne gère pas le secteur de l'éducation. Okay. Ce sous-secteur d'ailleurs, parce que c'est enseignement supérieur et primaire. Mais non, il faudrait que l'autorité lui-même, le nombre d'écoles avancées par les partenaires financiers et le nombre d'écoles construites par le gouvernement à salir maillage et puis à définir ma coin. Le cola, peuple quinoa, lingi baye ma coin, place l'école, ma moni, tant au bima. Ou bien nous aussi, on peut forcer la porte parce que la salaire va descendre, n'aille partout. J'ai quand même sionné seulement certains coins. Voilà, certains coins. Donc c'est pour dire que le vrai débat aujourd'hui, le vrai débat aujourd'hui, c'est les redressements. Redressement. Oui. Parce que Tokoriko Loba, Ndengetolingi, les secteurs, les sous-secteurs, voilà, les sous-secteurs de l'éducation, ils en assez. Éducation à ban à la bisso. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Non, mais l'élément, on a. Non. Moi, je voulais quand même conclure dans ma propos, c'est pour dire que l'État est appelé à investir dans l'enseignant. Très bien. C'est très important parce que. Batubao Kansané, Nalobaye, Liboso et tout ça, j'étais contre. Non. Ça dit, moi je ne suis pas contre les enseignants. Moi je suis pour que l'enseignant, bah, situation Nabango est avancée. Alors, au-delà d'investir dans Kati enseignant, il faut que l'enseignement ait la qualité.
Vous allez comprendre. Enseignement est à la qualité pour que nos enfants, oh bah ok, na classe, va bénéficier na eloko moro ya malonga. Et puis il faut faciliter la tâche. Ça dit quand le gouvernement de son côté est de bonne foi. Ça ne veut pas dire que le montant que les enseignants touchent aujourd'hui, le gouvernement est content de ça. Non, non, non. Le gouvernement va améliorer. Mais il faudrait que de l'autre côté, enseignant, moi, bonne foi en apaisala pour que les deux marchent ensemble. Parce que le gouvernement, à deux reprises, a montré qu'il est de bonne foi. En tout cas, ce gouvernement ici. Parce que, bah, initiative Ezozoama. Ezozoama, voilà, avant merci, même grévé Banda, merci. Gouvernement a bandi. Voilà. Il y a qui mettre la charrue avant le beurre, au Keïmo se réunir. Mais déjà, mon enseignant va détecter qui Jean Bosco pour nous détecter qui est Aza est mon rôle. Alors, dit que Aza est beaucoup pété dans le syndicat. Syndicat Moro. Syndicat Moro, yango mone simbite. Yango mone simbite. Simbite. Aide-moi à passer sur notre localisation. Ekozala, Ekoya. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Ekoya. Dans le bac, émission Moro Boye. Ndeko Roland. Dans le bac, émission Moro Boye. Enseignant. Dans le bac, émission Moro Boye. Zela, 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 Zela. Dans le bac, émission Moro Boye. Dans le bar, émission Moro Boye, enseignant à Zozoa, plus de $200. Okay. Enseignant à l'école primaire. Batouba, Loba, Baganga, Bao, Rofinga, Bafinga. Mais enseignant Yemoko a témoigné, depuis que la gratuité est là, comment se regroupent les fiches évolutives des pays. Yabango. Donc ça veut dire quelque part, gouvernement a yébi. Que Mbongo à chaque fois, il faut retenir dans mon côté enseignant. Et puis je précise bien, enseignant et école primaire où s'applique la gratuité. Voilà. Ok, précision, il a dit détail. Même des coéquipements, ils oublient, il faut vous répondre. Où soit il met. Exact. Localisation. Les Camoudés, là. Les localisation. Pour localiser, il faut donner des précisions. On travaille sur les précisions. Donc, vous avez travaillé. Vous avez annoncé et puis vous avez travaillé pour vous placer ma localisation. Mais Edmond aussi, le Banois, ma partenaire. Ma partenaire. Non, ma compagnie. Le Banois a 300 quelques écoles, mais à une place. Non, non, non. À l'estime des Congo. C'est-à-dire que l'air de Zobetali Solo est à gratuité. Il faut que tu aies la conséquence. Gratuité, oui. Oui, il y a une histoire. L'isola gratuité, on a eu un malam pour avoir travaillé dedans. Tout un projet à gratuité où tu as. Ça, c'est de l'histoire. Et où tu as campagne école pour tous avec l'UNESCO 2010. Okay. Et pour Tamikuna. Non, on a constitution, non. Non, voilà, constitution, parce que c'est déjà principe. Oui. L'UNESCO, pour la matérialisation, et où tu 2010, école pour tous. Nakanisi bomona ki bando ko décoré na ba mire be école nyon so jeudi Abdoulaye Ndomba. Voilà. Et c'est qui poto ko ma gratuité. Et nous avons travaillé sur ça. To e ko ko ma la gratuité. To sali ba étude nyon so. Voilà gratuité, il faut chaque année, il faut construire 2000 écoles. OK. Ba résolution to pesi na Kabila. Kabila son temps conscient de l'assiette fiscale qu'il avait, abino ko ko ka rotonga 2000 écoles te par an. Na obando tonga 1000 écoles par an. O boyo ka lisola 1000 écoles ya matata ponyo ibota makamu. Et tonga ma pata 300 écoles d'un. Et tonga mate. Kabila lobby gratuité sur toutes les tendues de la République na Kokati. On va inaugurer ma matata école moko na kati ya kimban tete na kati kuna. Ezalaka na je crois au moins ezalaka place wana pena bana ba ebi ba mona courant et ba mona maite. Là je témoigne au moins avec ma tata. Oui, une école. Non, non, non. Une école de moi j'ai vu. Sur mille. Sur mille. N'a pas dit. J'arrive à dire ça. Ça, c'est de l'histoire. Place Mbongo Bimakutu. Ça, c'est de l'histoire. Kabila lobby, effectivité à gratuité, c'est toute l'étendue. N'a kokokata, assiette fiscale, n'a pas permettre ngati. Au moins gratuité, première année, tu deuxième année. Mais donc, avec ça, ma tata, vous avez quand même construit. Combien? Avec ma tata, on a construit. En 4 ans de ma tata. Ma tata a construit quelque chose comme 275 écoles. 275 écoles. Tout n'est pas. Géolocalisation. Géolocalisation. Maintenant, dans la tour. Géolocalisation. Est-ce que ma tata a donné géolocalisation. Est-ce que ma tata a construit des écoles? Allez-y. L'air toujours comme Sikawana.
il faut tout parce que ni tout ni tout ça l'air tout gratuité sur toute l'étendue de la République total objectif est ni ban à côté que là si bangonios c'est bon au-delà de ça il faut qualité ça au moins si vous avez le cas où vous m'avez suivi ni n'épargnez bango les babi 300 écoles j'accepte mais or 300 écoles dans 4 ans. Moto ezape na bongo. Tiens, n'a zuka chiffre wana parce qu'en réalité avec la gratuité, ce que tongi 300 écoles sur 4 ans, 3 ans, yo tongi 3 comment 300 écoles. Mon seul est le côté. Au seul est le côté. Moi j'aurais voulu encore batonga ta 1000 écoles parce que dynamique est ça que chaque année, ce que tonga 1000 écoles, 1000 écoles, 1000 écoles, 5 ans au tique la biso 5000 écoles. C'est ça la logique. Pour que bana batanga bien ba classe ba salle de classe ça désengorge. Mais école à moi ça va école ba combien de salles de classe aussi? Mais maintenant, sont de complexes. Maintenant soko tali 300 écoles construites ndenge bande ko nanga ba lobby diviser 300 écoles construites par 3 ans au bazan ngo déjà na pouvoir au komona ke soko béton machine au batongi c'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et au sale le côté 300 écoles. Chaque année il faut 3 millions d'enfants bazongak. Ah. C'est compliqué. Donc, ils ont ça les logotés, c'est un coup de pied donné à l'eau. Donc, moins de réussir qualité zate. Ben, de konanga baza toujours pour la gratuité. De konanga ebi ke na bak na bekol nyons zate. Bah, ça là-bas, bulletin brillant. Nanaza qui est censé à fournir. Voilà, c'est l'État qui devait fournir. Nyons soit nezo yate. Donc, moins tous en la qualité et zalité. Au moins. Donc, ils ont mangé belir. Ils ont la carte à gratuité, on a mais quel logo on a zo comprendre? Le ministre est tenu. Ils ont la touche ouana. Bah résolution ils allient à mais ça mais pourquoi pas tenir compte dans côté? Nous nous avons déjà travaillé c'est ça. Ok. Au zo moins tout ça là déjà topé ça bango. Le mal avec le régime ici c'est quoi? Bah bêta kiango neti folklore. Gratuité c'est toute l'étendue de la République. Toqué. Kibudi kibudi simbe simba te toqué. Or il fallait qu'il toqué nango graduellement. Au zo moins. Gratuité, ça m'a bêté. Toi, mettez ma bêté. Parce que les fruits à ban en abysso, il ne faut pas bénéficier. Mais il fallait qu'on ait un mot graduellement. Il fallait qu'on ait un mot graduellement. Voir même l'engagement à l'État vis-à-vis à ma personnel. Tilelo. Vas-y, quoi. Et moi, quand même, à relever qu'on a quand même vu augmentation, Anna, et puis effectivité, Anna. Oui, ça augmentation courbe. Et ça, qu'on m'a pas selon l'assignation au Bayokanaki. Mais bazo mata quand même. Oui, bazo mata parce que bah outil na quelque chose comme 150 000 francs, les lots bah comment toucher 400 000 francs, mais sous bazo bah 408 000 francs. Au zo mona, soko accompagner bah prime na bango. Voilà, bah prime na bango tout ça là. Mais ngai au nom de gratuité na CPLA quartier, tous en a trois zones de paiement, trois types d'enveloppes. C'est-à-dire bah enseignant, il y a grande ville, bazo na traitement mususu. Oyo ya Congo profond, baza pe na traitement mususu. Mais les réalités c'est différent. Non. Comment bokoki non mais lui moto o ya enseignant na Kinshasa, ba mité ya ki intérieur. Mais oyo le raza ko tangisa na Kinshasa, ko zo mitation ki tangisa na mboka. Parce que m'intérêt ko tikala. Non. Mais oh, attendez, ce mot crée la même condition. Il faut qu'on y ait pourquoi. Non, même le pouvoir d'achat change. Hein? Non. Même les paiements, loyers changera. Mon cher, ni on sait qu'on change. Mais il faut qu'on crée moins cher. C'est oui, ça. Oui, voilà pourquoi. Dépend, voilà pourquoi. Les mêmes conditions. Non, mais justement, pour. Qui est cet enseignant au Rolingaba, le mot est abattu à l'Embankoul. Non, pour vaincre maintenant. Pour vaincre ce qu'il dit, parce que. Azoko affichant le roi moi discrimination. Ouais, mais en réalité, ce n'est pas la discrimination. C'est ça, pour vaincre cette réalité, c'est ça, vraiment, il y a le gouvernement a tiré ce qu'on appelle la prime de brousse pour combler l'enveloppe ou l'alicolo. Parce que eux aussi, ils enseignent dans des brousses. La oui, question est cependante. Quel est cet enseignant Rondima Longo à Bati et comme il punit, comme il sanctionne. Voilà, on va changer. Tout ça, j'ai pas sujet. Hein. Donc, Bonyon Kolipe, malgré que chez eux, localisation, il y a quitté. Et Koya, le matata. Le ministre nous avait. Lobby, j'ai eu localisation, Koya, mais on m'a soufflé. Il fallait qu'on parle quand même de la situation. Il y a. Ma nomination, mais on va effleurer ça, ma nouveau mandataire. Mais parlons de la situation, Zoleka, entre le Teke et l'EIA. Quelle est la solution? Il y a délégation gouvernementale, les alliés, déjà à Kwamout, avec le vice-premier ministre Daniel Asselo.
on commence vraiment à s'entretuer. Babiloko et Zalakate, na Congo, les lois commis comme on a visible conflit de terre et commis ma coupeur de route et phénomène Wana et Botami. Et les mafieux commencent à profiter maintenant de la situation. N'importe qui, on l'embarque, comme au bout de la Babiloko, même ministre provincial, il y a Kwilu, il y a Finance, il a été même victime d'un Lokwana. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour Nato Bêtre Fene Lokwana? Et aux dernières nouvelles, quand même aussi, on a vu le président Ayamba qui, chef coutumier, il y a deux tribus Wana. Bepe Ming, il y a contré à côté, il y a Bandundu. Mais des fois aussi, c'est sans lever que la plupart des chefs coutumiers, on a basé ma chef coutumier légitimité. On a comme l'impression de ce côté de conflit en conflit par rapport à la situation. Karl Lukusa. D'abord, on a redéploré ça, passe dans mon thème. Et ça fait vraiment ça fait très mal pour l'Amboka, la Bisso, ce totali et si kato outi par rapport à cohésion, unité nationale, notamment avec le feu maréchal. Moi, je dis que ça, c'est la conséquence, il y a des découpages territoriaux aussi à la BAC. Parce que là, on a voulu mettre des limites qui ont été imposées ou influencées par une certaine tendance politique. Ou bien par une certaine vision politique yamabé, yaroluka, qu'on restreindre certaines libertés ou certaines visions yabatumususu qui étaient aussi lancées dans la politique. J'espère que Bato Bazo en Abisso comprendre à quoi je fais allusion ici pour ne pas entrer dans des polémiques, il y a Bouzoba. Alors, les lots, si les tekés et les yaka bazako s'entretuer, je pense qu'il faut te revenir aussi, tozon à moi si ma mouké, par rapport à moi, histoire restreinte, yambo kanabiso, yaba ethnie, naba tribu et consort, au monde à que, eze loro asikate. Parce que déjà ici même au Congo central, on a vu, bien que les Luba qui vivent au Congo central ne sont pas, j'aimerais qu'on se comprenne bien, dans l'obité qu'ils ne sont pas chez eux, dans le sens ils sont pas chez eux, mais dans le sens que ce n'est pas leur province d'origine, on a vu à un certain moment que les gens se sont entretués, les Bata Congo central qui se sont donné le sale pouvoir de ôter la vie à Bakassaïen, par exemple, qui vivent là-bas, parce que Bazap et Bélé, au moment que la Bangambo, Moussousou, les gens aussi se sont entrés dedans, au moment que on a conduit Kamuina Sampou, notamment, qui aussi a passé la mitema, et aujourd'hui, beaucoup de familles continuent de pleurer par rapport à Nango. Ce que moi je dis, c'est ceci, en tout cas. Déjà, et puis, Outiko mentionnait là au mot par rapport à la chauffe coutumier, que parmi Barangou de Bamsou, Bazan a rompu légitimité. Moi, je pense que même crise, il y a légitimité à ma chef coutumier. On a ce rôle, l'andé, liango bien, on s'allie, analyse bien. Et Outikaka n'a pas limite au bail qui ont imposé à partir à découpage territorial. Au moins, on a l'aime sous Moutoumoutou et Komaïkola, et Komaïkola, la Koto, Makole, Tikali Koto, yo. Mais on parle maintenant de deux provinces. Ou de deux ethnies différentes. Donc, ah, Wanazan a vraiment des logos mon rôle batté par rapport Nango dans le sens il y a connu, mais c'est juste une interpellation. Interpellation Nambo Kanabiso, il y a Rolobake, il faudrait des assises sérieuses Nambo Kaoyo pour essayer de revoir comment faire des études ou comment rapprocher encore nos populations. Dans la net Makamboïte Kosama dernièrement à Katanga, on parle de réconciliation katangaise et consort. Et des semaines avant seulement, on a entendu des déclarations, notamment il y a, comment elle s'appelait, madame Nini, il y a Roland Kenon, les Kassaïens devraient rentrer chez eux et qu'on sort et tout ça. Et puis, une force politique ou une tendance politique vient marteler encore dans le mauvais sens pour parler de la réconciliation entre Katangais. Alors que des semaines seulement avant, il y a eu déjà des déclarations qui faisaient entrer des Katangais. C'est-à-dire qui a créé une dislocation entre les Katangais et les Kassaïens qui vivent, en fait, notamment dans le Katanga. Au moment Ezali, moi je pense que c'est des âmes innocentes qui sont manipulées par du machiavélisme politique en quelque sorte, parce que Eza,
une certaine motivation politique. Aujourd'hui, malheureusement, nos politiques, Nambo Kanabiso, deviennent capables d'abuser ou d'utiliser Batou dans le but qu'arayako atteindre ou quoi souvir soif tabarro politique. Et ça devient très dangereux. C'est très mal pour notre pays parce que lobby terroriste te connaître la guerre civile, Moussousou, côté la Bissou, Banini. Et c'est vraiment pas intéressant. Donc, Ngaï, tenant compte du fait que je ne maîtrise pas les vraies raisons, il y a Bitumba entre Kobomana, entre ces deux peuples qui sont tous congolais, j'aimerais seulement ici y mettre une parole d'interpellation. Piste de solution, c'est ce que je viens de dire. Il faut absolument des travaux de consolidation, si vous voulez, pour pouvoir ramener des ethnies, et seulement dans chaque coin régional, dans chaque coin. Voilà. Maître Ngoma, on va terminer avec Izuba. Maître Ngoma, source ou on a un conflit ou on a, que faut-il faire pour que qu'on mette fin à cette histoire-là? Le Congolais doit rester partout chez lui. Absolument. Dans 2 345 000 km². Moi, 10 km², je pense que le problème, il y a ma belle Nambokana s'est posé. Vous savez que depuis Congo et Zala Congo, tout ça, ma belle Zalabiso, du point de vue sociologique, mais du point de vue du droit, ma belle Zalabiso, les Belges nous ont colonisés. Ma belle Zalabiso indépendance, mais ma belle Zalabiso va être traité. Comparer la RDC na Zambie, na Afrique du Sud. Au Komona, la communauté wana bazana mabele na bango, ils ont des titres. Pas na biso à l'âge ya Congo yebani. Mais âge ya ba communauté, ils ont composé Congo wana yebani. Les Baloub ont quel âge? Les Bakongo ont quel âge? Comment boyebi âge ya mboka? Mais partout bazo composé Kolo wana mbula na bango yebani. Donc, il n'y a pas une histoire culturelle où Sengeli vraiment yamboka. Yangwana, c'est ça la grande question. Parce que l'élo, Ozomo na yomoko teke et les Umbu. Et les Utu. Et qu'est-ce que j'ai dit? Teke et les Yaka. Ce sont des frères. Absolument. Ce sont des frères. Mais comment Bakoki Rubunda? On doit simimbeli pour abomande kona yomoko. À cause yamabele. Or, ceux qui sont chef coutumier, wana, bazaki na ba titre, conflit en lingako zalate, et voire même. Mais il n'a pas de terre. On est chef coutumier parce que Mabele Oizaya Bissou. On t'investit chef. Titre zate. Un jour, au moment où on a battu, il y a Bengani Bino Bokomo qui est dans la cour internationale de justice pour condamner Bissou. Parce que Mabele zate. Donc c'est un grand travail. Et Sengel Nabissou, tout ça là. Nous, les voilà. Politiques, et Sengel Nabissou, te réfléchir à fond. Comment tu peux doter la communauté Nabissou n'a pas titre foncier. Voilà. Edmond Izuba, DG. Moi, je ne crois pas bien. Alors, je suis bien. À Pesseli, parce que Eza, parmi ma branche Oyo, Adolphe Mouzi, tout travaille sur ça. Très bien. Comment, aujourd'hui, faire en sorte que ma chef coutumier, ma propriétaire des terres, base à la titre Nango. Et puis, il est fait tellement bien que bon, ça l'envoie sous forme et on dialogue vertical ou horizontal? Oui. Bon, vertical. Donc, c'est-à-dire, c'est étape par étape qui s'engagne, nord qui vous, namoni, bon, touchez-moi ma sensibilité. Belé. Oui. Effectivement, c'est ça. Oui. C'est une guerre qui va même au-delà de la guerre qui nous a imposée dans l'Est. Parce que guerre au Est, moi, j'estime qu'il y a aussi là, un jour. Mais Oyoana, il y a un peuple entre Bango. On dirait s'il a raté. Donc j'ai un mauvais pressentiment pour ce genre de guerre. Tant que l'histoire en et Banda Kala, surtout sur beaucoup de l'histoire, ouais, non, Bitumbo et Banda avant, pendant même Babel du Bazalara. Oui. Parce que quand tu prends les Yaka et les Teke, c'est ça, non? Les Teke et les Yaka. Tu prends là-bas les Pygmées et les Toa. Mmh. Vers Tanganyika là-bas. Sur Okéi, la province orientale, Okutsakuna et Bamboro et tout ça, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que à un moment, c'est l'État lui-même qui crée les désordres. Mmh.
Dans une forêt, il y a des, de la population qui y vivent. Mais quand l'État, par exemple, il vend les forêts, parce qu'il y a une société royale, des fois, l'État ne consulte pas la population vivant dans la forêt. Et Batouana, comme ce sont des opérateurs économiques, et ils ne voient que leurs intérêts. Donc, bon, il y a une négociation de façade, bah, libérer terrain, et des fois, des gré ou de force, bah, bengani, bah, on est ici, il faut peuple ou en a l'ouka place moro kende ko vanda. Comme dernièrement Bukamalo. Voilà pourquoi aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les groupements de faits et les groupements de droits. C'est-à-dire Batmusu bala groupement de faits parce que le fait karabalongora ba eko vanda est commis de faits. Donc le quoi bazawana bazwango kaka. Mais si ko ba o bazo estimer que groupement neza bango de droits. Et c'est l'État qui désorganise la société. C'est l'État. Parce que sans une cartographie électorale, on va produire. C'est mentionné. Groupement des faits, groupement des droits. Groupement des faits, groupement des droits. Mais pourquoi ce désordre? Et pourquoi l'État lui-même n'y met pas fin à ce genre de situation? Il y a une période à Kabila, il y a eu quand même un grand dialogue social qui a été organisé. C'était où à Kikwit? Kikwit. Oui, c'était organisé à Kikwit. Mais pour ce genre de situation, ça demande vraiment au moins. C'était ça d'ailleurs. Au moins. L'objectif, il y a conférence à la gouverneure. Oui, ouais, justement. Cette histoire, mais ça dit aujourd'hui, les chefs traditionnels sont dépossédés de leur pouvoir traditionnel. Or, ça ne peut pas exister. Au début, d'abord, pouvoir traditionnel, là, pouvoir politique, et tant bon ensemble, l'été. Jamais. C'est contesté à Rabaon, là-bas. Voilà. Donc, chef coutumier, Andy Maraté, gouverneur, soit Makati, Kolekaye. Donc, tout ça. Donc, d'où, moi, j'ai dit, c'est ça ce qui peut justifier au moins les déplacements du président de la République à l'intérieur du pays. Au lieu qu'il n'y ait pas au moins des problèmes comme ça, quand il y a sa propre présence sur terrain, ça va diminuer les effets. Voilà. C'est lui le premier chef de terre en République démocratique du Congo. Ndeko Karl Lukusa, merci beaucoup. Merci. Analyste politique, écrivain. Ndeko Edmond Izouba, DG à opinion-info.cd. Voilà. J'arrive à maîtriser. Maître Claude Goma, cadre à Nouvel Élan. Merci beaucoup. Au revoir. On va se retrouver demain 10h. Tosung à la télévision avec les invités Yakitoko Yamalam. Merci beaucoup. Voilà. Il faut nous donner la localisation géographique. Il avait promis. C'est pas on est toujours en ligne. Il y a un ministre.